Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'une spéciale de Radio PRD. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il s'agit d'un nouveau type de radio bonus, le Café Rétro. Du coup, selon le principe, hein, je vous propose même de mettre cette petite vidéo sur pause, le temps d'aller chercher donc un café, un thé, un chocolat chaud ou autre chose, parce que, bah, comme dit le dicton, il est bien 5 heures quelque part, hein? On va pas se priver. Donc ce soir, l'émission vous est présentée donc par moi, Vintage Phonique, et je suis en compagnie de Courgette au sucre. Salut! Et notre super invitée spéciale à laquelle on fait un super accueil chaleureux, Brune. Hey hey hey! Donc pour cette première édition du Café Rétro, on a décidé d'ouvrir un sujet qui parle un peu à tout le monde, hein, faut quand même être honnête. Vous l'avez toujours croisé, vous l'avez même peut-être interprété, et ça d'ailleurs vous ne l'assumez plus aujourd'hui. On parle bien sûr de la Marissou. Ce personnage indissociable du monde du RPG pour notre plus grand plaisir ou pas. Et du coup, bah, Brune nous a trouvé une super définition de la Marissou que je vais lui laisser lire. La Marissou est un nom péjoratif donné à un personnage de fiction trop parfait qui est la projection de l'auteur dans l'univers fictif. Ce terme est habituellement utilisé dans les critiques de fiction écrites par des fans, mais peut concerner un personnage d'une œuvre originale. Et voilà! Bah, on a bien compris le principe, c'est en fait un personnage qui concentre tout en elle-même, beaucoup trop d'ailleurs. Et je crois qu'on en a tous croisé au moins une fois, si ce n'est plus. Du coup, en préparant cette radio, parce que vous savez bien qu'à Radio PRD, on fait vraiment des recherches en profondeur, hein, vous connaissez le principe à force, ahem. On a été en fait piocher sur nos forums respectifs pour voir un peu ce qu'on pouvait retrouver. Et bah vraiment, il y a des perles, des grosses grosses perles. Donc Brune, qu'est-ce que tu nous as retrouvé du coup? Une quantité assez astronomique de fiches de princesses alliant le chevaleresque et la magie. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en plus, il faut rappeler donc, que ton forum étant un forum médiéval, légende arthurienne, se basant donc sur, si je ne me trompe pas, au Moyen-Âge, c'est vrai qu'à l'époque, tout ça, c'était vrai qu'une femme pouvait donc sauter dans son armure et puis être de retour à l'heure du bal. Hein? Bah, bien sûr, hein, c'était bien connu que les femmes avaient le droit de manier l'épée et de partir en guerre. Bah écoute, je veux dire, on se prive de rien. Ah bah bien sûr, hein, c'est la haute tradition du peuple sarmate. Bah tout à fait, hein, je vois pas du tout d'ailleurs où est le problème, personnellement. Moi de mon côté, j'ai été faire un petit tour sur un autre type de forum historique un peu plus récent, un forum Louis XIV, et c'est vrai que là, il y a aussi pas mal de perles. On trouve notamment des princesses sorties de nulle part, filles de rois d'Angleterre, mais qui sont plus vieilles que le roi dont elles sont censées être la fille. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Un peu aussi tout ce qui est, selon la définition de la Marissou, tout le monde les aime. Donc l'histoire bateau de la Marissou, elle est fiancée à quelqu'un de son rang, mais est amoureuse de quelqu'un d'autre qui ne la mérite pas aux yeux de sa famille. C'est quand même une bonne base. Absolument, absolument. Voilà, on connaît bien le principe. Il y a aussi un autre type de Marissou qui se transpose de forum en forum. C'est-à-dire, elle prend le même personnage qu'elle répète à l'infini, avec le même nom, le même prénom, le même avatar, la même histoire. Mais bon, on sait jamais hein, que entre 1140 et 1528, elle est pas tout à fait la même vie. Ça bah, tu te rends pas compte, il faut varier un petit peu, explorer les différences d'horizons avec un même personnage. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'avais peut-être pas vu ça sous cet angle, je suis peut-être un petit peu fermée d'esprit. Absolument. C'est super palassant à la fin, tu sais, genre, je veux dire, tout le monde a envie de revivre 100 fois la même histoire, je veux dire, c'est... Bah c'est ça, avec la même base, et puis voir comment on peut évoluer au final. Parce que c'est une réincarnation, en fait. Ah ouais, tout est dans l'inception du truc, en fait. C'est ça. C'est philosophique, tout ça. Ouais, c'est puissant. Ça vaut le coup de s'y attarder. Je suis persuadée qu'on pourrait écrire un super livre là-dessus, une bonne thèse. Absolument. Une thèse qui nous vaudrait, je ne sais pas moi, le prix Nobel de recherche psychologique. Accompagné du Pulitzer, parce que faut quand même rien se refuser. Après, ça dépend si les gens veulent vraiment reconnaître la psychologie comme une science. Ça, on peut rien y faire. C'est vrai que
quand les gens sont un petit peu fermés d'esprit. D'ailleurs, il faut quand même dire que la Marissou est quand même le cauchemar de l'administrateur. Son cauchemar ultime. Voilà. Et bon, on a tout été à un moment ou à un autre dans nos vies de RPGistes, dans un staff qui a été amené à voir des Marissous arriver. Non, c'est vrai. Bah, écoute, je sais pas, hein, ça peut-être arrivé, je sais pas, petite dizaine de fois. Je pensais que c'était une légende, moi. Ah bon? Ouais. Mais ça veut dire un que... Un peu ce... comme le croque-mitaine, c'est ça, pas aux enfants. Eh ben, je suis désolée. C'est réel. La légende de la Marissou, tu vois. Mais exactement, alors qu'en fait, non. Elle est réelle. Elle existe. Et elle vient pour vous. Tous les 31 octobre, elle vient. Elle frappe à la porte de votre forum. D'ailleurs, on est parfaitement dans le thème. Elle s'inscrit. Et elle pose sa fiche. C'est ça. Oh mon Dieu, j'ai peur. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu la vois arriver dans la partie invitée et qui commence à exposer son idée de personnage... Tu sais pas par quel bout prendre la fiche, en fait. Et puis des fois, elle demande clairement à ce qu'on lui fâche son personnage. C'est ça. Oui, c'est déjà arrivé, ça. Oui. Je veux m'inscrire, mais j'ai pas d'idée, donc j'attends. Voilà. Ouais. Faites-moi ma fiche de présentation, je leur donne. Sans oublier qu'elle demande à ce qu'on libère l'avatar d'un scénar, d'un PV, voire d'un PJ. Parce qu'elle ne se voit pas du tout jouer avec quelqu'un d'autre que lui, ou elle, pardon, dans ce cas précis. Je suis désolée, j'ai toujours joué cet avatar, je vois pas pourquoi je devrais changer, quoi. Exactement. Bah surtout qu'on peut partager, quoi. C'est pas... Je suis pas sûre d'être sa jumelle, quoi, et exactement, tout. Exactement, hein, parce qu'on sait jamais. C'est vrai que ça s'inscrit parfaitement dans la ligne de conduite de ton personnage. Par contre, elles auront pas le même prénom, elles auront pas le même nom de famille, et pas du tout les mêmes parents, et pas du tout les mêmes origines. Mais ça devrait aller, je pense. Écoute, moi je pense que ça passe crème. Easy. Voilà. Et quand l'administrateur s'avise... ne serait-ce que d'émettre une petite objection, demander une légère modification, attention, Madame Sou est complètement outrée. Parce que... disparition. Ça, après avoir insulté tout le forum. C'est ça. Vous ne comprenez pas mon art. Vous ne comprenez pas mon sens critique et mon inspiration. Hein. Vous êtes des personnes ignorantes. Je me casse de ce forum. Exactement. Vous êtes tous butés. Ah bah oui. On en a quand même une qui est partie une fois d'un forum où son personnage de Marissou avait été refusé en nous disant « Ciao les pouilleux ». C'est sympathique, j'aime beaucoup le langage, c'est très fleuri. Oui, moi aussi, c'est très sympa. D'ailleurs, les admins du forum en question, s'ils écoutent cette radio, se reconnaîtront. Hein, voilà. Je trouve que ça salutations distinguées. C'est dans ça. L'esprit de la Marissou quand même. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose de... Voilà, il y a... Il y a un côté diva derrière. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. La Marissou est une diva. Une diva qui se prend au sérieux. D'ailleurs. Un peu trop. Très, très premier degré, hein. Il faut le noter. Tout à fait. Attention. Et c'est ça. Et que, alors, quand elle réussit malgré tout à se faire valider, quand même, parce que certaines, quand les admins ont quand même essayé de retourner la fiche dans tous les sens, de lui mettre toutes les critiques possibles, certaines modifient. Et elles arrivent à se faire valider. Et le personnage est en couple. Et alors là, attention à la vie du personnage qui est en couple avec elle. Un autre cauchemar commence. C'est ça. Ne serait-ce que dans la chatbox, quand le personnage masculin parle à un autre personnage féminin, tu as le droit, dans certains cas, un peu extrême, je l'avoue, mais bon, ça va avec, à la crise de jalousie par MP. C'est arrivé. Tout à fait. Tout à fait. La CB est intimement liée au RPG. Exactement. Mais évidemment, tout le monde le sait. C'est un prolongement de ton RP et de ta vie RPGique. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que le RPCB a un impact crucial sur la vie du personnage. C'est ça. Et la discussion hors RP sur la CB, ou dans le flood, hein, ça marche aussi, ne soyons pas restrictifs, c'est pareil. Non, mais de toute façon, tout le monde le sait. Hein. Discuter sur la CB, c'est tromper. Voilà. Exactement. On est peut-être un peu trop laxiste, d'ailleurs, nous, avec nos personnages et leur plus un. Ouais, mais va falloir qu'on se calmer direct, là. C'est ça, on les laisse trop discuter, là, c'est pas normal. Hein. Va peut-être falloir qu'on sévisse un petit peu, les filles, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais... je trouve aussi. Ouais, hein. Les sanctions vont tomber. Et parce que, bon, quand même, faut pas exagérer, quoi. Allez, un petit ban pour tout le monde, hop. Mais alors, du coup, est-ce que cette petite chose s'applique uniquement aux filles? Où y a-t-il un équivalent masculin?
Courgette, ça te dirait de répondre à cette petite question? Bah oui, allez, hein? Parce que il se trouve que j'ai retrouvé une de mes fiches que j'ai fait à mes tout débuts du RPG. Donc ça date déjà de 5-6 ans quand même. Et alors c'était sur un forum Contes et Légendes. Donc j'ai pris une légende japonaise, donc c'est un Nekomata. C'était un schizophrène, narcissique, ténébreux, surpuissant, enfin, la Marisu au masculin. La totale, quoi. Absolument insupportable. Et du coup, je l'ai à peine joué parce qu'il me saoulait, en fait. Ben, c'est ça, en Il fait. était trop. Trop, Ben, trop. il était. Ouais, il était pas bien. Il était. Ouais, il était trop. Voilà. Point. Ouais, il était trop. C'est ça. Allez, abandon de personnage, hein, de personnage C'est abandonné. ça. On oublie un peu trop souvent que bah, la Marisu, quand on veut, ou le Garisu, du coup, dans le cas précis, Ouais. quand on veut absolument qu'il soit sur ceci, absolument cela, contrôle fric et compagnie, bah, au final, en fait, on ne peut même plus le jouer, ce personnage. Parce que ça devient totalement inintéressant, et pour les partenaires, et pour le joueur en lui-même, parce que c'est un personnage fermé à l'évolution, en fait. Bah, en fait, il est déjà au stade ultime de l'évolution, donc il pourra pas aller plus loin. C'est ça, donc après avoir joué dans 4 RP, tu t'ennuies. C'est ça. Quand tu tiens les 4 RP, quand, parce que bon, Ouais, moi j'en faut ai pas. fait un, même Voilà. pas. J'ai dû faire deux réponses et bah en fait, oui, c'est juste saoulant à force. C'est ça. Et j'ai abandonné. D'ailleurs, la personne se reconnaîtra, c'est avec elle le seul RP que j'ai fait. Ça se trouve, elle écoute la radio. Et c'est. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je suis désolée de t'avoir fait subir ça. Écoute, au moins, t'as présenté tes excuses. Moi, je referais pas ça. Je trouve qu'après, quand la personne évolue, tu reviens en arrière et tu dis, wow, j'ai quand même fait ça quand même. Avec une suridentification à son personnage. Bah, Puisque évidemment. le joueur est le personnage. Exactement. Tout à fait. Et quand on n'aime pas quelqu'un en RP, c'est qu'on l'aime pas dans la vraie vie. Exactement. Ça Exactement. fait. Je te rajouterai pas sur Facebook. Je te retire de Snapchat. Je te unfollow direct de Twitter. Non mais en cette façon brune que tu vas nous retirer de Skype une fois qu'on aura terminé d'enregistrer. On le C'est savait. ça. On n'est pas assez famous pour toi. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Moi, je sais pas si je vais le faire. On n'espère pas quand même. J'hésite encore un petit peu, ça dépendra fortement. Hein. Et votre van, je suis pas sûre quand même, je crois que je vais le faire. Ah, Oh. attention, on a quand même Ingrid avec nous ce soir. Hein. C'est qui Ingrid? L'administratrice statique, Mais c'est voyons. l'administratrice. Ah oui! Ah, pardon. Non mais attends. Avec ses lunettes. Bonsoir, je vous entends là ricaner, hein. Ça suffit comme ça, jeune fille. Avec les lunettes et la coupe au carré super stricte. Attention, Exactement. ça rigole Je plus. peux supprimer vos comptes à distance. C'est moi tout à l'heure qui ai fait bugger Skype. Alors attention à vous. Oui, parce que ce que vous a pas dit, c'est que quand Brune a essayé de m'ajouter sur Skype, mon Skype a littéralement crashé. Voilà. Bah, l'enregistrement de la radio avait bon. Personnellement, moi j'ai rien fait, hein. C'était pas moi. Ok? Ouais, c'est ce qu'on dit. Comment ça cherche des excuses? Et voilà, c'était C'est pas ça. ma faute. Ben, c'est pas moi, c'est Ingrid. On est plusieurs dans ta tête, mais c'est toi le chef. C'est ça. Mais Voilà. après, je dis pas que je commande tout non plus. Il y a de la révolution dans l'air, méfie-toi. Bah, il y a toujours eu de la révolution dans l'air. Vous pensez quoi? Si on Bon. n'avait pas, on n'aurait pas de Marissou. Tout à fait. Exactement. C'est une très bonne conclusion à ce premier épisode du Café Rétro. Donc j'espère que ça vous aura plu et que c'était un petit peu différent de ce que vous entendez d'habitude dans Radio PRD. Bah, je remercie très 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 fort Brune d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien, de rien, c'était un plaisir. Et du coup, vous retrouverez le lien vers sa super chaîne YouTube en dessous le lecteur exportable. Et on remercie aussi Courgette qui a fait un écart à son devoir de maths pour être avec nous ce soir. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir de faire un écart à mon devoir de maths. Et on vous dit à la prochaine! Au revoir! Bye!